Bar nous sommes prêts de connaître au Seigneur. Don souria non, nous vous souhaitons pour cette grande opportunité que nous avons. Leur casse kangabam se contonne. D'être connecté à Lui. C'est pas m'to koné bamba. Je vous invite à vous incliner avec nous dans la prière. M'mam, côté la menti, sur le résultat n'attabon pour aussi. Papa dans le ciel. Don bas simbe alzana. Merci pour tes grands projets et pour les hommes. Et bar kaya m'sarar kasem sané ba Et merci pour l'opportunité. De te connaître. Merci pour tes plans pour l'humanité. En venant à toi à pareil moment, Nous croyons que tu vas renverser toutes les situations et changer le cours de l'histoire dans le monde. Père, je prie que tu laisses éclater ta gloire et que l'homme le plus incrédule comprenne que tu es l'auteur. De tout ce qui est dans le monde et dans le ciel Nous te disons merci pour la réponse Au nom puissant de Jésus Nous avons prié Amen. Je vous souhaite la bienvenue À cette émission spéciale Et c'est une deuxième partie Pour CVK aujourd'hui J'ai pu que Cette double portion apporte Un double miracle dans votre vie

j'ai pu que la grâce de Dieu nous accompagne pendant que nous continuons dans cette émission spéciale. Le titre de ce jour c'est L'extinction de la puissance de la fournaise ardente par la foi inébranlable et audacieuse

de nous permettre de saisir la portée de sa parole. Daniel chapitre 3, le verset 19. Il dit ceci Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer. La fournaise cette fois plus qu'il ne convenait de la choper. Lima ne bikaneza sura yika wusko tanel sanen Daniel na porundama la kon porundama no rete wing wunga no yopwe. Alléluia. Alléluia. Que s'est-il passé? Nous constatons simplement que le roi était furieux, que la fournaise était surchauffée, et que le décret du roi était inviolable. Alors, les trois hébreux avaient le choix. Soit accepter se prosterner devant cette idole.

Vous voyez, ou bien dire non, aïo, refuser, dire non à l'ordre du roi nore, et faire face à la fournaise ardente. Yor, nore, si vous étiez à leur place, qu'auriez-vous fait C'est tellement important. important. Bon, cette histoire nous introduit dans une dimension surnaturelle de l'omnipotence de Dieu. D'un côté, l'omnipotence de Dieu. De l'autre, la foi inébranlable d'un homme une femme, femme para, capable de regarder à Dieu et, et dit, je, je crois est Dieu est capable. La je prie parce qu'à des moments donnés, il y a des décisions que nous prenons qu'un homme, dans son bon sens, ne le prendrions jamais. Mais avec Dieu, nous dépassons le bon sens des hommes. Voilà pourquoi nous allons diviser cet événement étourdissant en trois parties. Premièrement, nous voyons la cruauté d'un roi à la mémoire courte. Aveuglé par son idolâtrie. Deuxièmement, nous allons parler de la crainte du nom de Dieu et la foi qui déclenche l'intervention surnaturelle du ciel. La terre qui et troisièmement, nous allons voir la le cri de frayeur d'un roi imprudent devant le miracle inimaginaire. Voyons la première partie. La cruauté d'un roi à la mémoire courte.

le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Voyez. Cette idole devait être adorée. Et tout son royaume. Devait se prosterner. Devant cette statue. Alors, vous comprenez? C'est incroyable. Fabriquer une idole. C'est son droit le plus absolu. Quelle que soit la taille de cette idole, mais obliger les gens à se protéger ou à adorer cette idole, c'est un affront à Dieu et en même temps une folie. Et je prie que Dieu nous donne la grâce d'éviter la folie. Dans notre vie au nom de Jésus. Mais quand on considère l'histoire, on peut dire Mais comment cet homme était-il si imprudent Est-ce qu'il ne pouvait pas se rappeler que lui-même, il avait dit, il a clamé très fort parce que son Dieu n'avait pas pu lui rappeler

Tous ces sages-là, ces, ces sorciers, qui adoraient ces idoles, qui n'ont plus son songe, personne. Est-ce qu'il ne peut pas se rappeler aussi, quand il a crié publiquement, que seul le Dieu de Daniel était le Dieu des dieux Pourquoi Parce que seul, ce Dieu non seulement rappela, le songe à travers Daniel, mais il en donna l'explication. Et, et il s'était prosterné devant ce roi, ce Dieu merveilleux et glorieux. C'est pour cela que beaucoup de personnes, malgré la Trivialité de la puissance et de la parole de Dieu continue de tergiverser. Cet homme s'était vendu à, à Satan qui était capable maintenant de l'amener à faire des choses inconséquentes. Je prie que tout ce qui nage dans cette mer terrible

La réponse de ces trois hébreux était cinglante malgré la fournaise qui était surchauffée. Daniel Daniel le chapitre 3 chapitre 3 le verset 19 verset, verset, 17. verset 17 il dit ceci Voici notre Dieu que nous servons il nous délivrer de la faune à Dante et il nous délivrera de ta main au roi. Adé, tout nous en amène à ton son pourra. T'as la tonro, un enfant à ton fo, vous n'êtes pour un abnacil faire à ton fo nourrir au lima. Hallelujah. Hallelujah. Ça c'est extraordinaire. Toi, tu peux nous délivrer. Et je prie que nous ayons la foi de Shadrach. Meschac et Abénego. Mam kota me, tu donne pas à Shadrach, Meschac et Abénego te babou. Et il continua. Sinon, sans abotot, bangai au roi. Oh, onna, Olima, que nous ne servirons pas tes dieux. Te tun kana sak fotora et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tun kana wonno wogo, nyamwe nama, nyamsanani sanama. Voyez quand vous faites une expérience avec ce grand Dieu tout-puissant. Ça serait se verser dans l'inconséquence de chercher un autre Dieu que le Créateur, le Dieu omnipotent. Les croyants ont, les croyants ont besoin d'une foi inflexible

des esprits méchants. Et devant la front de Satan lui-même, nous devons dire, il y a un Dieu tout-puissant en qui j'ai fait allégeance et c'est terminé. Vous savez pourquoi il y a peu de miracles aujourd'hui Parce, Parce que la foi des croyants est bralante. l'incrédulité fait en sorte qu'il faut recours à des, à des feux étrangers, c'est-à-dire à des puissances

qu'il y a un dieu capable de neutraliser, de détruire tout ce, que, ce qui se passe dans votre corps dont il n'est pas l'auteur. Est-ce que c'est Dieu qui vous a envoyé cette maladie Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ces mauvais esprits Est-ce que, est a esprits? Est -ce que euh, cette circonstance dans le foyer, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça non. c'est la preuve. Il L'intervention de Dieu est imminente. Dans votre vie. Ce que vous devez faire, c'est si vous connecter à ce Dieu de la puissance. En confessant tous vos péchés. Parce que le péché est une abomination devant Dieu. Et même le manque de foi. Quand vous ne croyez pas que celui qui a créé le ciel, qui a créé l'homme, est capable de le guérir, c'est tout. Offense à Dieu. Si vous dites, cette maladie est trop grave, ce cancer est au dernier stade. On a dit que non, cette maladie est incurable. Je veux que vous compreniez celui en qui il n'y a point d'impossibilité. ce que vous élevez votre foi au niveau du plan de Dieu, vous déclenchez un miracle Vie. Ça commence à venir. Je plus que déjà, dans, dans votre cœur, vous dites péchez le péché C'est terminé. Vous dites maintenant abomination, adultère, corruption, insulte, haine, c'est fini. Seigneur, viens à moi. Il viendra et le miracle sera opéré la. dans votre vie. Na. Au nom de jésus Alors maintenant, Daniel chapitre 3, le verset 21. Qu'est-ce qu qui s'est passé, passé là-bas? Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux leurs et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise à dents. Des hommes vigoureux. Les ont attrapés et jetés dans la fournaise.

Plaqué. Sa conscience est arrêtée. Son cœur cesse de battre. Parce qu'il se dit Mais ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu, c'est du ressort de Dieu. Si vous voyez ce que vous connaissez déjà, on ne parle pas de miracle Je peux que vous compreniez. que vous devez regarder ce Dieu Tout-Puissant. Il pas des choses extraordinaire dans votre vie. Daniel 3, verset 24. Daniel Il dit là-bas maintenant. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit aux conseillers. N'avez-vous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi La bam le Certainement au roi Alléluia, Alléluia. Quelque chose s'est passé quelque chose de surnaturel venait de se produire aucun homme ne pouvait croire à cela même pas ce roi furieux qui croyait avoir le pouvoir sur la vie et la mort des hommes qu'est-ce qu qui qu s'est passé alors verset, alors verset 25 il le prie et dit, dit eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et regardez et la figure du quatrième ressemblait à celle d'un fils de Dieu. La Wenda Gloire à Dieu. Comme le roi était furieux. La fournaise était surchauffée. Les hommes vigoureux étaient en train d'attacher Shadrach, Meshach à Abednego. Avant qu'ils arrivent au bord de la fournaise, le ciel les avait devancés là-bas. Alors, que vous compreniez comment le ciel est intéressé par notre état de souffrance. Les injustices que les gens imputent à nous oui toutes ces choses là y a les mauvais gili. traitements les maladies, maladies a... les opérations sataniques Dieu y y est y préoccupé quand le quatrième homme Alléluia arrive dans votre vie, vie c'est terminé Alléluia quand l'Esprit de Dieu vient en vous dans votre corps mortel il le vivra alors quelle que soit la situation la douleur atroce dans la colonne vertébrale. oui les objets qui bougent dans votre corps les écrits d'oppression dans votre vie les mensonges conjugués dans votre vie et toutes les tromperies Non, je ne veux plus que vous compreniez. Alors, et dites au Seigneur, parce que même si la situation est irréversible, elle va changer. Parce que nous avons affaire à l'un puissants. Aujourd'hui, je vous invite à baisser la tête pour la prière ce, ce que si vous voulez voir le surnaturel alors dites maintenant le péché est pas, le le pas. Péché est pas. abandonnez tout ça bah, si venez au à. Seigneur vous Verrez la puissance de Dieu demandez oui. pardon à Dieu de vos péchés nous allons prier pour vous et le miracle va se produire la Prions. De demandez à Dieu Quand pardon de tous vos péchés oui.

Le cœur palpitant le péché domina, je, je demande pour la pour de péché. dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Jésus ta puissance maintenant. Lave leur péché, pardonne-leur. Pour la Au nom de Faire pas Jésus. -Christ pour bah, le nom de Jésus -Christ nous, nous avons prié sa main. Amen. Amina. Merveilleux. maintenant. Nous sommes connectés à ce Dieu-là. Attendez-vous maintenant à ce que le quatrième homme vienne. Le quatrième homme, Jésus-Christ. Oui, Jésus il viendra et il va éteindre la puissance du feu dans votre vie. C'est comme votre maladie. C'est quoi votre situation? La stérilité, les hommes de nuit, les femmes de nuit, situation incroyable, colère, séparation, et malédiction familiale, les esprits méchants qui voilà. les troublent. Le quatrième homme arrive. Baissons la tête maintenant et il fera taire ces bruits. C'est la douleur Ces dans, dans votre vie. vie. comme Vous priez maintenant. Mettez comment? la main pour imposer la main là où vous avez mal. Comment vous priez maintenant. Vous nous et la puissance de Dieu va descendre. Je crois que vous devez avoir la foi de Daniel. Chadak Pama, Meshach, Chadrain, Meshach. Ces quatre hébreux. Je crois que Dieu se l'est capable. Et il il est, est effectivement capable. Il, il va intervenir dans votre vie. Cette maladie va partir au nom de Jésus. Je crois de, 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 de tout mon cœur que le Seigneur interviendra. Cette femme était venue. C'était quand il y a deux ou trois jours. Elle dit mais c'était à l'émission la semaine passée. Elle avait mal au, à, aux jambes, de la main jusqu'aux pieds. Elle ne peut pas se coucher à gauche. Elle ne peut pas se coucher à droite. Mais elle dit mais c'est terrible. Mais nous avons dit Seigneur, toutes ces personnes qui manifestent la foi, guéris-les. Elle dit instantanément, la douleur est partie et elle dit depuis une semaine je suis venu, voyez, moi je suis en bonne santé la maladie est partie le feu était éteint ton feu va s'éteindre votre maladie va partir nous baissons la tête maintenant comprenons, t'as pas dans le ciel nous bénissons ton seigneur parce que tu es Dieu en dehors de toi il n'y en a peu d'autres je prie et je demande tous ces personnes maintenant Glorifie ton nom dans le vie, C'est quoi le tourment de Satan? C'est quoi la maladie? C'est quoi la malédiction? est attends ta main. ta parole, la parole la puissante, la parole pénétrante, la la parole qui guérit, comme Suisse, la parole qui détruit, comme Suisse, la parole qui est le feu, pour détruire les adverses, si Boutoua, rendre l'impossible dans le monde de ma vie aujourd'hui, la visitation, il y a de ton esprit de la tête aux pieds, des mots de pied, des mots de tête, des mots de ventre, de de des fibromes, des colonnes vertébrales, de dans le sang, je Que ta parole foudroie ces maladies. dans corps maintenant Et qu soit délivré. Que le feu soit éteint dans leur corps. au nom de Jésus, ces effets troublants, oppressions, de stérilité, de paralysie, je vous commande,

tous ces troubles s'arrêtent immédiatement. Au nom de Jésus, tu es méchant, fort du mal, je t'ordonne. Au nom de Jésus, Jésus, Jésus sors maintenant Jésus et ne reviens plus. Au nom de Jésus, Christ le miracle est fait. Pas Vous êtes guéri, pas mère, problème de ventre, pourquoi guéri, ma cancer, ma cancer ma guéri. Ma les boules sont parties. Au nom de Jésus, je puis maintenant pour les soit cicatrisée et que la puissance de Dieu se déclenche, quelle que soit la maladie, même si elle n'a pas été nommée, la maladie est détruite là-bas. Au nom de Jésus, paralysie, laissez-vous maintenant marcher au nom de Jésus et que le miracle de Dieu vous atteigne maintenant au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Vous avez reçu votre miracle. Au nom de Jésus, nous avons prié. pour Amen. Gloire à Dieu. C'est fait. Constatez maintenant et notez le numéro ou bien euh, le email. Et faites-nous savoir les le merveilles du man, Dieu man. dans votre vie oui, man, et nous ensemble au nom Jésus Christ. Christ Amen, Amen. Amen. Ah. Vous bénisse, bon, je vous ma.